Yo tout le monde, c'est Apollon. Aujourd'hui, on se retrouve à Pop Boutique du 16 juin 2023. Avant que ça commence, n'hésitez pas à me soutenir en mettant le code créateur KTT dans Boutique Fortnite. Merci à tous ceux qui le feront et n'hésitez pas à liker celle-ci. Du coup, on a le retour normalement des skins DC. Et oui, effectivement. Du coup, un peu comme pour les skins à Marvel, je vais pas tous vous les refaire parce qu'il y en a pas mal malgré tout. Alors, moins que Marvel, effectivement. Mena beaucoup, du coup n'hésitez pas à mettre sur pause si quelque chose vous intéresse. Wow, vous avez la plupart des prix. De toute façon, les skins souvent sont à 1500. Regardez pas, on parle des queens là, c'est pareil, c'est 1500. Harley Quinn là, elle est à 1200, voilà, c'est 1500 ou 1200. De toute façon, c'est pas plus souvent. À part comme là où des fois vous avez des skins, vous avez des emotes intégrés. Mais du coup, malgré tout, vous voyez qu'on a quand même beaucoup de skins. Oh, ok, on a le retour des skins de l'été aussi. On a Ruby Estivante. Et, oui, c'est ça. Pour 1200 V-Bucks. On a sa pioche éventeuse rayée pour 500 V-Bucks. Brutus Desplages pour 1300 V-Bucks. Julie Desplages pour 1200 V-Bucks. Séreuse Aquatique pour 500 V-Bucks. Ensuite, on a Nomade Estival pour. Ça, c'est son pack pour 2500 V-Bucks. Séparément, c'est 1500 V-Bucks, 1200 V-Bucks, 500 V-Bucks et 800 V-Bucks. Le truc que je trouve dommage. Ah non, ok, il n'y a pas tous les skins. J'allais dire, je trouve ça dommage que tous les skins reviennent d'un coup. Bah, je trouve ça quand même dommage d'un côté que autant de skins soient arrivés d'un coup. Faudrait qu'ils fassent un peu comme. Pour Noël ou Halloween, qu'ils les ressortent petit à petit et surtout qu'ils les sortent pas en même temps que les skins DC. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Au moins, ils font leur retour, c'est toujours un plaisir. Du coup, ouais, on va pas se plaindre d'un côté. Après, de toute façon, je l'ai déjà dit dans le passé, mais bon, on connaît Fortnite. Ils aiment bien nous faire des longues boutiques alors qu'on sait très bien que. Bah ouais, je trouve que pour ma part, les longues boutiques ne servent à rien. Je sais pas, essayez de me donner votre avis en commentaire. Mais pour ma part, je trouve qu'ils ne servent mais littéralement à rien. Parce que déjà, on ne pourra pas tout acheter. Alors c'est vrai que beaucoup de. Maintenant, Fortnite ont beaucoup, beaucoup de skins. Alors, d'un côté, ça peut être compréhensif, mais d'un autre. Bah voilà quoi, je veux dire, ça va peut-être même me foutre la rage plus aux gens. Alors, je sais pas. Après, on a toujours Mister Beast, Optimus Prime, Enfer Vert. Quand je vous dis que les boutiques sont longues, c'est une boutique qui est aussi longue que quand il y a les skins Marvel. Alors, faut vous dire hein, comment elle est longue. Clac, et pas de nouveau pack. Du coup, n'hésitez pas à noter cette boutique sur 10. Pour ma part, ça va être un 4,5 sur 10. Parce que je trouve ça les boutiques trop longues. C'était Apollon. À plus tout le monde!